fils, que j'explique, c'est que mais pour ça, il faut couper. Et que j'ai cette période à l'esprit avant pour la raconter. Sinon, c'est pas possible. Puisqu'elle est enfouie. Je me serais flingué déjà. Donc, là où tout a commencé, c'est un gros choc. Je peux pas te parler comme ça maintenant que je l'apprends là. Parce que ça a commencé. Du lycée à l'heure habituelle, un peu plus tard, 6h, 7h. Et qu'est-ce que je vois? Oui, je vois une maison vide et c'est pas habituel. Ma mère fonctionnaire rentre. Il y a une période d'examen, mais oui, il devrait y avoir mon frère, ma soeur. Il devrait y avoir quelqu'un à la maison et la maison est vide et elle reste vide. Elle reste vide le soir, tard, j'appelle les grands-parents, maternelle, ils ne savent pas où est ma mère, les grands-parents paternels, ils n'ont aucune idée. Et la maison reste vide le soir, la nuit et le lendemain. Et je me retrouve avec seulement mon frère et je ne sais pas quoi lui dire. Ma soeur, ma mère rentre, minimise l'événement, mais elles sont trop affectées pour que je ne sois pas inquiet. Oui. Et donc, aucune. Là, on a déjà basculé dans une vie qui ne peut plus être jamais normale, parce que dans une vie normale, on a toujours un calendrier. Là, on n'a plus de calendrier. C'est un jour sans fin. Le temps s'arrête et il peut revenir dans une heure ou jamais. On ne sait pas. Je comprendrai un peu mieux avec les quelques mots rassurants de mon père quand il rentre avec 2 jours de barbe. Donc après 40. Non pas 48 heures, mais 46 ou 45 heures de garde à vue. Il détaille pas trop, mais il est rassurant. Je suis rassuré. Je suis rassuré parce que, je sais pas, un petit, pas un petit sourire, mais un soulagement que c'est l'évidence que les quelques justifications qu'il a pu donner vont régler le problème. Quoi. Le souci est déjà réglé. Et je pense que pour mon père, le souci est réglé à ce moment-là. La vie continue et il continue son... Alors oui, ça se révélera être une erreur. Une erreur fatale plus tard. Il aurait dû consacrer sa vie à partir de ce moment-là à se défendre. Mais il a continué ses projets. Sa maquette de péniche. Pour son projet de péniche fluviale. Donc la formalité étant... ayant été effectué, du temps ayant passé, 3 mois, c'est pas mal, surtout pour un adolescent. On a continué notre vie. On prépare même, je crois, il commence à préparer les vacances d'été comme d'habitude, qu'on a anticipé pas mal avec la plongée, le bateau, le camping. Donc la plus grosse surprise peut-être, c'est 3 mois plus tard, donc de décembre 1994, première garde à vue, 6 mars, je crois.
enfant de l'école, l'absence de mon père, mais le garage retourné, avec un mètre d'outillage par terre, donc impossible de marcher au sol. Donc tout a été retourné. Oui, je me doute que ce truc-là, ça doit être lié à ce truc-là, que c'est pas terminé. Moi, je suis un adolescent, mais je sens qu'il y a une force contre mon père là, qui se met à l'œuvre. Et qui est puissante, parce que, voilà, parce que mon père, il a autorité sur son garage et sur ses outils. Et là, on voit bien que son autorité a été bafouée. Si je rangeais pas un outil dans la bonne caisse, il savait me le rappeler gentiment. Là, c'était un peu plus désordonné que ça. Moi, ma préoccupation, ben, c'est de remettre le garage en ordre, alors je commence à réparer, quoi. Donc, et plus je répare, plus je range, plus je me rends compte que une investigation a été très poussée. Je découvre que je me doute bien que c'est donc les services de l'État. Enfin, non, c'est pas le nom, des services d'investigation. Et oui, je découvre que c'est pas les mêmes méthodes que dans l'expert, dans les séries américaines. Que c'est pas très fair-play, je crois. Je sens un manque de fair-play. Et aussi. Un combat inégal déjà. Oui, et qui s'annonce un combat inégal. Donc là, oui, je suis inquiet. Et pour ne pas m'inquiéter aussi, automatiquement, instinctivement, je me concentre sur le rangement et réparation, les petites réparations. Le matin de bonne heure, je suis surpris par un policier en train de réparer la radio du garage. Et là, oui, première confirmation qu'il y a des forces en présence et que toutes ne sont pas fair-play. C'est un bon garçon hein, que vous avez là. Hein, il répare. Hein. Ah, c'est un bon garçon qu'on a là. Et mon père est... Mon père n'est pas menotté, mais... Les manches de son blouson sont ouvertes et donc on voit bien qu'il a été fraîchement démenotté. Qui transite avec des menottes et ça aussi c'est nouveau. J'ai jamais côtoyé ça. On n'a jamais côtoyé ça et on a un père pour qui la liberté a du sens. La liberté. Oui, c'était une notion importante. La vie en appartement, c'était pas pour mon père, donc c'est comme ça que ma famille, mes parents ont travaillé dur pour avoir les moyens d'une maison et de pour des roturiers, pour la classe moyenne, des conditions de vie agréables pour une famille. De belles vacances, et donc, oui, peut-être que j'y pense. Je pense qu'on n'ira pas en Corse cette année, alors qu'on y va tous les ans. Visiblement, ils n'ont pas trouvé, en retournant toute la maison, ce qu'ils étaient venus chercher, et il semblerait que... En tout cas, ils agissent comme des gens certains de trouver, ce qu'ils sont venus trouver. Et ça, je trouve ça très étonnant et très arrogant aussi. Très prématuré de savoir avant de trouver qu'ils vont trouver. Ça me paraît prématuré, ils sont très confiants. Ah oui, trouvez-moi la corde pour que la mariée soit plus belle. Et là, je sens un cynisme, je ne sais pas. J'ai bien vu que c'était la police, mais je ne savais pas que la police se... Je croyais qu'elle servait le citoyen jusque-là. Et mon père, jusqu'à preuve du contraire, c'est un citoyen. Il a peut-être des justifications pour être écarté du truc, mais on dirait qu'il a déjà déchu de ses droits. Je comprends pas. On ne permet pas à mon père de me parler, mais dans un
dans un suprême élan d'humanisme. Au dernier moment, deux collègues discutent et mon père interpelle un policier et le policier a l'immense gentillesse de lui dire oui, oui, d'accord. Et donc il le laisse m'embrasser. Et au moment où il m'embrasse, ils me disent profitez-en, embrasse bien ton père parce que peut-être que quand tu le reverras, tu seras grand-père. Et oui, je me demande si moi je ne suis pas un peu coupable là déjà. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette condescendance? À part ranger ceux qui sont dérangés. Peut-être que ça ne se fait pas, mais moi je ne suis pas au courant là des procédés. Mais on va dire que là j'ai bien rattrapé le retard. Et. Ah oui, le ballon, quelle expression ils emploient. Saint-Miche, la maison d'arrêt qui est connue, peut-être que je reconnais ce terme. Mais ce que je vois surtout, c'est que mon père, on lui demande de prendre du liquide, donc il va être absent. Pendant un petit moment, il va avoir besoin de liquide. Donc je me doute qu'entre les mains de la police, c'est pas pour aller à la mer sans doute. Donc c'est décidé. Je vois pas très bien ce qu'ils ont trouvé de particulier qui justifie ça. Mais c'est décidé d'avance. J'ai 14 ans, 15 ans. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était décidé d'avance. Et qui était sans rapport avec éléments matériels, preuves. C'était une procédure. Qui se suffisait à elle-même déjà et qui était hors de contrôle pour mon père. Là il partait, il s'appartenait plus déjà. Oui, donc il va se passer du temps, mais c'est une vie au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour, il va rentrer. Donc d'un jour à l'autre. Et c'est comme si on avait le souffle coupé. C'est comme si on avait eu le souffle coupé pendant 6 mois. 6 mois, 6 jours. Mais... Oui, mais comme c'était une erreur, c'était pour nous, c'était rien d'autre qu'une erreur. Parce qu'on est dans une démocratie, et on a un système qui fonctionne, on a des avocats qui s'occupent de tout, enfin un avocat qui s'occupe de tout, pour qui c'est simple apparemment, mais il faut être patient. Alors ça va s'arranger d'un jour à l'autre, mais ça ne s'arrange pas rapidement. Bref, c'est un calvaire quotidien parce qu'on ne sait pas si ça va durer 1 an, 10 ans, à vie, ou si ça va s'arrêter le lendemain, le soir même. Donc on ne sait jamais et on se réorganise, mais de façon précaire, au jour le jour, puisque l'ordre, l'organisation habituelle, elle n'est pas censée être absente très longtemps, quoi. Et donc, oui, chacun, finalement, on s'organise dans des activités qui nous... moi, je prends soin de la maison, du jardin surtout. Mon frère, un peu plus de jeux vidéo, mais donc on se
recroqueville un peu quand même. Et la seule bouffée d'oxygène, c'est là où on est réunis, quand on est réunis au parloir. Et donc, nous, on va à l'école, mais ma mère, la première, elle rate aucun parloir pendant cette détention préventive. Je ne sais plus combien, 3 par semaine en tant que prévenue. Et je crois qu'on s'arrange pour y aller autant que possible, même en semaine, quand on a école. Et bien sûr, oui, j'ai passé la période où on ne peut pas le voir parce qu'il est isolé total pendant un mois. 23 jours isolé total. Mais le temps que le processus se fasse, donc pendant un mois, on ne le voit pas du tout, il est au cachot. Et on ne comprend pas, mais oui, après, avec un peu de recul, c'est facile de comprendre. A posteriori, on comprendra que c'était pour mettre en œuvre la stratégie du choc et détruire l'individu. Quoi. Pour le faire avouer, qui soit responsable ou non d'ailleurs. Parce que cette stratégie, elle fonctionne sur des innocents. Et donc, on voit, on découvre... un fonctionnement de notre pays, quoi, une partie de notre système qui est inimaginable. Et donc, à chaque parloir, est-ce qu'on a à chaque parloir des informations sur l'évolution du dossier ? Sur ce qui justifie la détention préventive, certainement pas. Il n'y a rien qui la justifie, puisque... Non, c'était pour obtenir des éléments qui manquaient au dossier, qu'il était en prison. Donc c'est pas parce qu'il y avait des éléments contre lui qu'il était en prison. Donc voilà, le protection des parties civiles, les motifs bateaux qui sont invoqués à chaque demande. Refuser de liberté provisoire. Protéger la société, protéger les parties civiles et les témoins. Donc il s'est quand même passé 3 mois, tout ce qui... il était en liberté, tout ce pourquoi il est officiellement maintenu en prison, il aurait pu le faire. Donc voilà, si cette affaire, c'est fait déjà. Voilà, si c'est Messrine, il a déjà fait son truc. Mais donc c'est pour faire... oui, la technique en réalité, c'est pour faire... Il n'y a pas d'éléments. Donc finalement, normalement, quand il n'y a pas de charge, il n'y a pas de culpabilité, donc de présomption de culpabilité qui peuvent peser. Donc finalement, ce juge-là, Joaquim Fernandez, finalement, il veut boucler son dossier, il s'en fout qu'il soit coupable ou non, mon père. Puisqu'il faut le briser et que cette technique, elle marche indifféremment sur des coupables ou des innocents. Donc il faut, il faut que ça rentre pas, mais il faut que ça rentre, quoi. Le triangle dans le rond, il faut que ça rentre. Pendant cette détention provisoire, il y a l'opportunité de faire une demande, un dossier, un mémoire pour demander d'être remis en liberté. L'opportunité, c'est tous les 15 jours, quelque chose comme ça, le temps que ce soit traité, quoi. Et donc, pendant 6 mois, demande sur demande, à chaque fois, on a la même réponse. Parfois, on voit qu'il y a juste là. Seule la date est mise à jour. Enfin, c'est une lettre type, quoi. Est-ce qu'il y en a une qui sera plus originale que les autres ? On insiste sur la gravité des faits, on insiste sur les lourdes présomptions, mais on ne dit jamais lesquelles. Donc il y a de lourdes présomptions qui pèsent sur lui,
Mais rien dans le dossier ne vient le dire, ni dans les témoignages. Les lourdes présomptions, c'est seulement les accusations de Dominique Hernandez, la femme de la victime principale de ce colis piégé, et Monsieur Terrier, son père. C'est-à-dire les gens qui le connaissaient le moins pratiquement, qui ont les plus lourdes présomptions. Donc, demande sur demande, on se laisse un petit peu... Je crois que mon père a des choses qui lui tiennent à cœur à ce moment-là et qui l'exprime avec insistance à son avocat. Les demandes sont formelles, on nous explique que sont un peu plus polissées que le discours de mon père qui clame son innocence et les connexions se font, donc il le démontre assez bien. Mais par le filtre, par le spectre de l'avocat, c'est un peu plus administratif et on reste un peu sur notre fin. En tout cas, ça marche pas. Est-ce que c'est plus tard qu'on aura cette impression? Mais on a déjà l'impression que c'est pas la fin des souffrances rapides qui intéresse l'avocat, mais plus quelque chose de plus prestigieux, peut-être, ou rentable. On n'en sait rien, on n'en sait pas trop. Est-ce qu'il y a eu des histoires d'argent, des acomptes, des provisions versées, je sais pas trop. Mais là, on va être fixé bientôt, puisque contre l'avis de son avocat, mon père fait quand même une demande de lui-même pour être libéré avant la fin des vacances judiciaires. Et comme par hasard, cette fois, il n'y a rien qui tienne, donc il n'y a rien qui justifie que la détention provisoire soit maintenue, donc la détention provisoire prend fin. Donc il reste sous contrôle judiciaire, une grosse investigation est à l'œuvre, mais il recouvre la liberté sous caution de 100 000 francs, donc 15 000 euros de l'époque 95. Oui, pour réunir cette somme, toute la famille met la main au portefeuille parce que ma famille n'a pas 100 000 euros. On vit de les comptes des enfants aussi, les comptes épargne des enfants, et je crois que notre famille doit réunir peut-être la moitié. Donc mon père s'endette pour sortir de prison provisoirement dans une affaire que personne ne comprend puisque ça ne concerne pas directement. Et encore moins la famille qui est mise à contribution. Premier constat. Le temps humain, c'est pas le temps judiciaire, même pour l'avocat de la défense. C'est long. C'est long, mais 6 mois, ça suffit largement pour détruire une vie. Et plusieurs, quand on est père de famille. Comment on explique à ses voisins que c'est une méprise quand on fait la couverture de la dépêche et qu'on est... Oui, parce que le jour de la détention provisoire, c'est le suspect numéro 1 écroué. Daniel Massé, père de famille, 42 ans. Oui, on est présumé innocent, mais dans la dépêche, on est présumé coupable. J'ai lu des moments de... Les derniers moments de vie familiale. Il est à la fois révolté et diminué, brisé. Mais quand il exprime sa révolte, c'est vrai que on n'y croit pas nous-mêmes, en fait. Comment dire, à ce qu'il est possible de subir au pays des droits de l'homme. On le découvre à travers mon père. Et est-ce que c'est mon père qui débloque quand il dit que la police, un chef de la police judiciaire
a pu lui dire dans l'ascenseur, c'est pas la vérité qui nous intéresse, c'est vous. On le croit à moitié. On est voilà. Et pourtant, il a l'air encore sain. Il a pas l'air fou, notre père. Mais il nous raconte une histoire de fou. Le juge qui, je sais plus exactement, mais je sais, le juge qui dit, qui reçoit en confrontation au début, quand il était à l'isolement, alors que les investigations restent à faire, on l'a pas, l'expertise du Japon, machin. Monsieur Massé, je sais que c'est vous, et vous savez que je le sais. Comment ça se fait? C'est un juge de... c'est un juge de l'Inquisition ou un juge d'instruction? Je sais pas. On découvre ce que c'est. Un juge, peut-être un procureur, voilà, j'apprendrai les termes plus tard. Hein. Mais on ne savait pas qu'un juge d'instruction, c'était le procureur aussi. Ou que c'était la même chose. On croyait qu'il y avait différents... Enfin, une organisation assez bien faite de la justice qui fait que on envoie en prison que les méchants, quoi. Donc quand il exprime son point de vue, c'est déjà des conclusions, c'est déjà des l'expression de ses désillusions. Il était idéaliste un peu, altruiste. Pas mal, mais finalement, oui, tout ce qu'on a appris à l'école, ou tout ce qu'on a, tout ce qu'on nous a appris de bien sur notre pays n'est plus valable. Et donc, on le voit, je vois mon père changer, se marginaliser, mais puisque c'est en réaction à ça, c'est logique. Donc je peux pas lui en vouloir, lui reprocher. Je peux pas non plus comprendre vraiment ce qu'il a vécu. Mais j'essaye un peu et donc je l'aime plus que je ne lui en veux. Mais je lui en veux quand même. Parce que c'était mon modèle et que mon modèle, eh ben, il me tire plus trop vers le haut, il peut plus. Il m'avait tiré vers les sciences de l'ingénieur. J'étais en études d'ingénieur un peu et grâce à mon père, donc mais là il est marginal, il est plus actif et il a plus de rêve du tout, et donc a fortiori pas de, il m'inspire pas, il m'inspire plus, mais je l'aime toujours et surtout oui, il semble que il est vraiment bas de chance, quoi, c'est tout. Parce que voilà, on apprend peu à peu, mais jamais très clairement. Il y a une. On reçoit les éléments du dossier en ombre chinoise des avocats, quelque part. Mon père ne s'y intéresse pas plus que ça, parce qu'il est suffisamment perturbé. Et donc. Une défense, voilà, il y a un dossier, il a un dossier, il a un avocat pour assurer sa défense. Et en attendant, ben, il se cherche une place dans un monde qui est nouveau, pas le même qu'avant, enfin, une nouvelle réalité. La réalité, surtout, comment ça se traduit au quotidien, c'est pas du jour au lendemain, la police peut venir me chercher, c'est qu'on ne fait plus confiance en personne et on sait qu'il y a une investigation. Mon père devient maniaque aussi, en plus d'être dépressif. Il devient maniaque, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, il ne sort pas de la maison sans pouvoir prouver de ce qu'il a fait et de où il était. Parce que de son point de vue, et je suis d'accord, il suffit d'avoir un moment dans sa vie, un jour, où on ne peut pas prouver on était ailleurs et on peut être en Bastille, c'est suffisant. Allez, c'est la matière. La matière.
la mise en accusation, il la connaît depuis le début. Oui, il nous explique que la tentative d'assassinat, que le marchandage qu'on lui a proposé, c'était pas lors d'une confrontation, donc c'était pendant les gardes à vue, les gardes à vue de la PJ, avant la prison. A posteriori, oui, c'est des pourris, des Hernandez, oui, tout le monde le sait. Avouez, et puis on fera passer ça en passionnel, en crime passionnel. Vous serez condamné à 6 ans, vous en ferez 2. Et comme ça, tout le monde rentre chez soi et tout le monde est content. Mais ça le révoltait, ça, mon père. Et effectivement, le chef d'accusation, tentative d'assassinat, c'est prison à vie, la sentence. Perpétuité, qui c'est qui vient. Il n'y a pas besoin de que quelqu'un le lui ait expliqué. Un assassinat prémédité, c'est la prison à vie. Donc oui, on sait que c'est ce qui risque. Mais nous, on attend que ça se dégonfle. Parce que c'est pour de faux, quoi. Ça ne peut pas perdurer dans le temps, cette situation. Et plus le temps passe, plus le moment se rapproche où ils vont s'en apercevoir. Donc, en attendant, on n'est pas. C'est juste que on a des repères en moins, une confiance en moins, on a perdu une assurance. La stratégie du choc a fonctionné. Et on est. On n'est plus souverain, oui. Surtout mon père, mais nous aussi, par contre, pas. Donc je peux comprendre l'impact, je peux imaginer l'impact sur mon père, qui ne peut être que la même chose, le même impact que j'ai ressenti, à un degré plus élevé. Voilà. De la même manière, moi, j'ai été... un peu chahuté sur le fait que mon père étant un terroriste ou un poseur de bombes, moi j'étais une merde. Et je savais très bien que j'étais pas une merde. Donc je découvre aussi à quel point la vie d'un homme dépend du qu'en dira-t-on, de la vie des autres. Et finalement, ce qui fait le... On a quelque part, j'ai déjà cette crainte. Enfin, je réalise que il n'y a pas que la science, que c'est pas comme dans les séries américaines, que pourtant on l'accuse d'avoir fait quelque chose, un objet technique. Donc la soustraction de tout ce qu'il a chez lui en tant que technicien et de ce qu'il y a dans un colis piégé. Normalement, c'est réglé. Parce que je savais pratiquement... Mais c'est lui... Ah oui, il y a aussi... J'y étais la première fois avec une copine. J'étais pas encore à la rue. Le premier été. C'était lequel, je sais plus. 2000... Donc il s'est passé du temps quand même. Oui, j'ai passé une année ou deux années d'IUT. Donc il y a du temps là qui passe. Et pendant ce temps, la vie de mon père, elle change. Mais moi, je ne suis pas très proche de mon père. Je le vois de temps en temps, mais il est renfermé sur lui-même, il a plus confiance en personne, mon père, tout à fait. Il nous fait une confiance, il nous aime, il nous fait une confiance relative parce qu'on est jeune et qu'on peut être influencé par notre mère et qu'il lui fait plus confiance à ma mère. Elle a été gentille pour avoir la maison à bas prix, pour acheter la part de la maison à bas prix. Sûrement qu'elle n'est pas restée très gentille. C'est plus tous les événements, mais... Donc il se passe du temps pendant lequel moi j'essaie de faire quelque chose avec un DUT en vivant chez ma mère
Mais je vois mon père de temps en temps, et puis ça coïncide avec le moment où il est désirable, où il redevient un modèle, d'une autre manière. Mais il essaie de faire quelque chose d'autre. Le parquet a écrit qu'en attendant de trouver des charges, mon père était présumé coupable. Malgré 6 mois de détention préventive et malgré la conviction absolue du magistrat, ou peut-être à cause d'elle, l'instruction va tomber en déliquescence et s'étirer sur 5 années. Certaines années, pas un seul acte n'étant accompli, hors de tout délai raisonnable, sans résultat tangible. Partie civile dirigeant l'enquête où bon lui semble, en lieu et place des magistrats. Allégations non vérifiées, expertises controuvées. Refus systématique d'enquêter à décharge lorsque mon père le demande. Le juge parvient avec l'appui du parquet à envoyer mon père devant les assises de la Haute-Garonne au bout de 7 longues années. Il est acquitté. Cependant, le procureur général, de façon incompréhensible, persiste dans l'erreur et vient user rétroactivement, et pour la première fois, d'une loi promulguée 2 mois plus tôt, qui lui permet de faire appel des acquittements. Les procès d'appel se déroulent dans des conditions invraisemblables, le président étant à la fois juge et enquêteur à charge, soit un autre procureur. Mon père a pu déposer en mai 2009 une requête en révision dûment et précisément argumentée qui met en évidence les multiples violations du droit, l'inanité de toutes les charges opposées par l'accusation et propose des faits nouveaux et éléments inconnus qui révèlent le véritable mobile de ce crime, la spoliation de l'un des propriétaires, soit une affaire de famille qui ne concernait pas mon père. Il s'avère que malgré la force éminemment probante des arguments de la requête en révision, les investigations simples que mon père a sollicitées, et le fait qu'il a demandé conformément à la loi plusieurs fois la suspension de l'exécution de sa condamnation, la commission de révision reste muette et pourrait sembler y répondre par la plus parfaite indifférence à son égard. Doit-il les saisir pour faire valoir combien est contraire au procès équitable le fait pour le président des assises de se permettre de diriger des enquêtes à charge dont aucune n'aboutit, ayant écrit pour se justifier d'une telle démarche qu'il trouvait le dossier incomplet, autrement dit, qu'il souhaitait après l'acquittement trouver les moyens supplémentaires d'obtenir une condamnation des jurés, reconnaissant par là que celle du dossier était insuffisante pour le renvoyer devant les assises, puis sans aucune vergogne, le fait de présider en conséquence, en violation des lois de la République et de façon nécessairement partiale. Malgré tout ce que la République française m'a fait subir d'inhumanité et d'injustice, je n'éprouve ni haine, ni ressentiment à l'égard de quiconque. Cependant, je veux persister à croire que les principes qui l'ont fondé demeurent et qu'il sera enfin rendu justice envers les citoyens que nous sommes, mon père et ma famille, et qu'il sera fait droit au respect des lois que vous avez votées.